Bienvenue à ce quelqu'un pour le concert de Noël de Soirée de Jean. Vous pourrez écouter donc le grand orchestre ce soir et le thème, c'est la sortie. Donc, merci d'avoir suivi. Il faut savoir que c'est le premier grand concert en fait de l'année, donc ils ont énormément travaillé et surtout ils ont pas eu beaucoup de temps pour travailler ce morceau. Un peu leur morceau, donc je pense qu'on le... Avant qu'il commence, il faut que j'encourage, on va le dire fortement. Voilà. Donc, je vous passer une excellente soirée, et ça va passer en deux temps, mais voilà. Une petite coupure de 10 minutes, et là, vous pourrez vous restaurer et boire un verre, un petit verre, un jus d'orange, un peu, et voilà. Écoutez, à tout à l'heure, et bonne soirée.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'ensemble adulte de l'école de musique de Sainte-Luce est heureux d'ouvrir ce concert de fin d'année des Cordées du Lundi. Après le canon extrait du troisième mouvement de la première symphonie de Gustave Mahler, nous allons jouer un triptyque du compositeur hollandais, Kees Schoenenbeek, Blues, puis Promenade et enfin Attitude. Kees Schoenenbeek est né le 1er octobre 1947 à Arnhem, aux Pays-Bas, ville où il débute le canon. Il poursuit et complète sa formation musicale au Conservatoire Rabanson de Tilburg par l'étude de la théorie musicale et de la composition. Son répertoire est varié puisqu'il comprend aussi bien des pièces de musique de chambre que des œuvres pour chorale, orchestre et orchestre à vent. Son intérêt pour les orchestres à vent se développe à partir de 1980, date à laquelle on lui passe commande d'une œuvre pour brass band. Il a à son actif environ 480 compositions et 110 arrangements. Blues, Promenade et Attitude, que nous allons vous jouer à présent, a été édité en 1997.
par la police. Nous allons continuer à cette belle soirée d'orchestre, la rencontre d'orchestre des Saint-Cloud du Forêt, avec l'orchestre junior. Donc pour la plupart d'entre eux, c'est leur premier concert à l'orchestre et c'est leur premier concert de l'année. On ouvre la saison ici ce soir. Donc je leur laisse la parole. L'orchestre du jour va commencer avec un extrait du deuxième mouvement de même intitulé La jeune fille et la mort du compositeur Franz Hilbert. La version originale a été composée par un quatuor à cordes en 1847. La thématique a été une grande inspiration pour les poètes, les écrivains, les peintres et les auteurs, ainsi que les compositeurs au travers des scripts. Les diverses cultures se sont trouvées de génie pour exprimer à travers la rencontre entre la vie et la mort. Cette musique accompagne le poème de Mathias Leveux, dont une jeune fille a assuré ainsi par la voix. D'abord, donne-moi la main, douce et bonne créature, je suis ton ami, ma mère à craindre. Laisse-toi faire, n'aie pas peur, mais sagement dormir dans mes bras.
Pasteur dit à propos de la création de cette bande sonore. Je crois que j'ai réussi à établir une connexion avec l'œuvre du professeur Tolkien et avec son amour de la nature, qui est aussi le mien. Je pense qu'au cours des 4 années où j'ai proposé et dirigé la vie philosophique, je me suis tout simplement totalement immergée dans l'univers de Tolkien. Je pense que ce que j'ai proposé, c'est le ciel à lui et son cœur. Ça se met dans mon cœur. Et je crois que ça a parlé et continué de parler de l'enfer de la vie.
traditionnelle finlandaise appelée la marche de Brian Bowie. Ce morceau est l'un des œuvres les plus anciens du répertoire traditionnel finlandais. Il s'agit d'une pièce médiévale dont l'origine précise est inconnue. La mélodie est nommée d'après le personnage historique Mary, qui a obtenu le surnom de son roi finlandais, bien qu'il n'ait jamais eu le contrôle de tous les autres roi de sa vie. C'est un truc qu'on a dit dans le temps.
catastrophe créée à la fin du siècle dernier. Le morceau est connu, mais qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Peut-être, comme moi, vous vous imaginez la Terre dans l'espace, en ligne avec la Lune, puis le Soleil apparaissant de plus en plus pour se lever. En fait, cette image n'est pas le fruit de mon imagination, c'est le générique du film de science-fiction le plus mythique à ce jour, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Ce prélude est une belle illustration du thème que nous proposons ce soir, la science-fiction. La science-fiction est un art à part entière. Elle a commencé d'abord en littérature dès le 19e siècle, où les auteurs ont imaginé des sociétés en fonction des progrès scientifiques et techniques dans des domaines tels que la conquête de l'espace, la médecine ou la robotisation. Beaucoup de films de science-fiction ont été produits, et qui dit film dit musique de film. Nous allons vous proposer ce soir quelques extraits de bandes originales célèbres. Mais pas que, car des chansons aussi ont également abordé la science-fiction. Certaines de David Bowie sont certainement les plus emblématiques. Et puis il y a aussi des compositeurs qui ont abordé ce thème avec des musiques originales spécialement pour harmonie. Pour commencer, nous allons jouer un extrait de la musique du film Blade Runner de Ridley Scott, sorti en 1982. Blade Runner, c'est un film d'anticipation où l'homme a conquis l'espace, a créé des robots à son image, mais a également bien admiré la nature. C'est un univers noir que décrit ce film, avec un policier, Blade Runner, qui a pour mission de traquer les robots des trafiquants devenus trop dangereux sur Terre. La musique du film, composée par le grec Vangelis, évoque bien cette atmosphère avec un mélange de mélodies sombres et de sons futuristes produits par synthétiseur. L'arrangement pour orchestre d'harmonie est de Yann Selgak. Thank you.
et ambiance et embarquez avec nous pour ce voyage en trois mouvements. Nous nous dirigeons d'abord vers un planète vide, puis voyageons à travers l'espace pour finir tout en route. Thank you.
on ne peut évoquer la science-fiction et le voyage spatial sans parler de cette grande franchise qui regroupe plusieurs séries télévisées et longs-métrages au cinéma. Avez-vous deviné ? Pour vous aider, je peux aussi vous faire la traduction en finlandais. Il s'agit bien sûr de l'univers de Star Trek, créé en 1966. Cette série s'accompagne de merveilleux thèmes et bandes sonores que vous reconnaîtrez probablement. Ils sont rassemblés dans cet arrangement par John Moss, intitulé Star Trek Through the Years. Ne loupez pas le départ de l'USS Enterprise. Thank you.
Comme sur Terre, avec le passe-mail de la science-fiction, qui concerne les manipulations génétiques et le dopage. En 1993, Steven Pieper, grand maître des jeux du genre, adapte à l'écran un roman de Michael Crichton, avec une équipe scientifique réussit à redonner vie à des créatures disparues depuis longtemps, des dinosaures. Il crée un parc à thème. Malheureusement, la visite de ce Jurassic Park ne se déroulera pas comme prévu. La musique du film, comme celle de presque tous les films de Spielberg, est signée John Williams et l'arrangement est de Frank Ternax. N'oubliez pas de rester derrière les clôtures des enclos lors de cette visite musicale. Thank you.
Pour terminer ce concert, je vous propose cette transcription pour harmonie par Franck Berner pour la partie de David Bowie, Life on Mars, que l'on peut traduire par l'existe titre de la vie sur Mars. Ce titre paru en 1971 est l'un des plus célèbres et appréciés de David Bowie. Cette chanson anglaise a néanmoins quelques liens avec la France. On y retrouve la progression d'accords comme d'habitude de Claude François. Et Life on Mars a été utilisé en 2001 dans une publicité de la Évadez-vous vers Mars avec nous avant de rentrer. Thank you.
en plus c'est une actualité, c'est ça. Alors enfin, c'est ça. Et à l'année prochaine, si on se revoit pas d'ici là. Bonne soirée, bon week-end.